Bon, je suis encore là. Ne précipitons pas les choses, ne précipitons rien. Il suffit de faire 4 galions à canon. Voilà, on va faire 5 villageois de plus ici. Ici, on va transférer 4 villageois au bois en plus. Voilà, là, on va construire notre flotte de guerre, on va prendre notre temps. Il reste encore pas mal de temps quand même devant nous, hein. Même si le temps, on voit qu'il diminue, il nous en reste, hein. Faut être rapide, mais pas trop quand même. Là, j'ai fait erreur de me précipiter et pas de bien préparer mes troupes. Qui tournerait vraisemblablement un carnage de malheureusement à mon désavantage. Ah, deux bricolages en canon encore. Voilà. Samouraï d'élite, 80 PV. Bon, les stats, je les aime bien, les samouraïs en tout cas. Un truc totalement fou, c'est que je vais essayer de voler les reliques. Si je peux essayer de les voler, ça m'arrangerait. Ça fait juste d'en voler une, pas mal de tout voler en relique. Si vous en volez une, vous pouvez bloquer en fait tout le processus de victoire à la relique. Donc à partir de là, c'est bon, mais faut réussir quand même à en avoir. Navires de guerre sur full pop. Voilà. Pour ceux qui me reprochent de pas faire de trébuchet, regardez mes ressources. Et je vous rappelle qu'on m'a offert des canons à bombarde en début de partie. J'ai meilleur temps de les utiliser, hein. Ça sera une connerie monumentale de ne pas utiliser l'armement qu'on me donne. Enfin, les troupes qu'on me donne, même. Surtout en cas de problème de ressources. Ça sera bon. Je viens de penser, mais avec ça, c'est totalement fumé en fait. Cette technologie là, si les coréens sont longs, personne ne porte aux armes de siège. Je crois que je peux faire ça. Ouais. Beaucoup de ma partie va se jouer là.
Mais j'ai confiance, mais j'ai confiance. Bah, j'ai des galions à canon d'élite. J'ai une énorme flotte. Niveau bois, je commence à me faire des bons petits stocks aussi. Donc, ah, j'ai oublié, en fait j'ai oublié deux unités, j'ai oublié trois unités en fait. Elle me dit... Non, c'est une grande île ça, assurément. Attendez, c'est pas une île ça? Si le coup s'est rallié directement à Kyoto, mais c'est tellement fumé ce lieu d'attaque. C'est un lieu parfait. Non, ça peut être qu'une île, ça peut pas être. Ah bah non, c'est pas une île. Ah bah non, c'est pas une île. Parfait, on s'approche des murailles de Kyoto. C'est impressionnant. J'étais persuadé qu'il n'y avait pas de moyen de... d'accéder à la terre ferme, mais en fait si. Kyoto est totalement accessible par la terre ferme. Et là où on peut y accéder, c'est totalement fumé. J'ai même pas besoin de récupérer Erlik en plus. Et par contre, ce qui est impressionnant, c'est que je... Très bon, ils peuvent quand même. Voilà. Voilà. Voilà comment on rentre. Bon bah j'ai trouvé une super entrée pour Kyoto, hein, pour ceux qui s'intéressent. Ça simplifie tellement la partie. C'est impressionnant.
Je m'en fiche, je vais me racheter 3 blocs de pierre. Ah, je vais me construire un château ici. Oui, vous rêvez pas, je construis bien au milieu de la base adverse. Rapidement que mes troupes reviennent en fait. Tac, une relique, deux reliques. Trois reliques. Quatre reliques. C'est vrai que j'ai pas encore fini de neutraliser entièrement là. C'est pour ça qu'on peut pas faire de merveilles. C'est pour éviter que si la victoire par héroïque est activée, la victoire par merveille est normalement activée en même temps. C'est pour ça qu'on peut en faire. Ils ont rasé le château de Kim. Raser 3 châteaux de Kyoto. Comme vous voyez, c'est pas trop compliqué de les avoir, ces châteaux. 2 sont accessibles par la mer, le 3ème, ben, vous avez vu par où il faut passer. Hein. Après voilà, ma flotte est peut-être en ruine. Ma flotte est totalement en miettes, ça c'est, on va pas le nier hein. Ça peut rayer de la carte. Mais bon, c'est... Un bien pour un mag, on a rasé 2 des 3 châteaux. Après bon, ici c'est un domination navale, c'est plus trop grave.
crois que j'ai à portée de tirer depuis d'ici. Hein. Mémoire, on a à portée. Hein. Peut-être avec cette recherche, on a à portée. Mémoire, on a à portée. Hein. Ah bah voilà, avec cette recherche on a bien apporté Max. A savoir qu'ils ont plusieurs lieux avec des... avec des monastères. Là j'ai eu de la chance que c'était dans ce monastère là qu'ils avaient tout mis. Il aurait pu être dans un monastère un peu plus loin, je crois qu'il y en a un par ici ou par là. Ça aurait été un peu plus compliqué d'aller chercher, par exemple celui-ci, il aurait été encore assez facile à chercher. Et voilà, tout dépend de là où est le monastère, ça c'est le plus sympa à le chercher. Hein. Bientôt, tout le Japon sera unifié sous un seul chef, et ces guerres civiles seront à jamais terminées. Oh la baston, oh la baston. Oh la baston, oh la baston. Or, de mémoire, oui, voilà. Ce qui se passe généralement, c'est qu'ils mettent l'héroïque dans celui-ci. Je suis obligé d'investir lourdement dans la flotte. Bon, après, vous voyez, il y a un passage sur le côté droit. Et le passage sur le côté droit, vous arrivez directement à Kyoto sans aucune défense. Moi, ce qui se passe régulièrement, c'est qu'en... Ah, il reste un village ici, d'accord. Ce qui se passe généralement, c'est qu'ils mettent l'héroïque dans celui-ci. Je suis obligé de forcer sur la flotte pour réussir à péter ici, en fait. Après, voilà, les monastères sont globalement assez faciles d'accès, hein. Kyoto a lourdement payé la mort d'Oda Nobunaga. Finalement, en 1590, Toyotomi Hideyoshi est parvenu à réaliser ce que son mentor n'avait pu accomplir. L'unification du Japon. Mais son ambition ne s'arrêtait pas là. Et il a entrepris de se lancer à la conquête de la Chine et de la Corée. Pendant de nombreuses années, le Japon a continué à essuyer des guerres civiles. Jusqu'au XIXe siècle, les membres de la dynastie de Tokugawa Ieyasu, les anciens alliés de Hideyoshi, ont continué à diriger le pays en tant que shogun. Et oui, jusqu'à la guerre civile impériale qui va mettre en place un empereur. Donc c'est ainsi que nous terminons. Vous voyez, niveau ressources, j'étais pas trop mal hein, du tout. C'est ainsi que nous terminons la campagne de Age of Empire de HD, la campagne des conquérants. Ultérieurement, nous attaquerons à la campagne de The Forgotten Empire. En précisant une chose d'avance, les batailles des oubliés sont parfois tellement volumineuses qu'elles vont faire laguer l'ordi. Pas un problème d'FPS, un problème de trop de données pour le type de jeu, ce qui pourrait poser quelques problèmes. Je préfère préciser d'avant. Beaucoup de soucis techniques que j'ai eu quand j'ai voulu expérimenter tout ça. Parfois, quand j'ai lancé cette mission-là, je jouais à celle-ci. Je vais faire de mon mieux pour pas qu'on ait de soucis. En sachant que ça va être vraiment des campagnes beaucoup plus compliquées que ce qu'on a eu l'habitude de jouer. Mais voilà, ça sera un bon petit défi. Je vous remercie d'avoir regardé ma compagnie cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Ça portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.